Ces animaux représentent une diversité fascinante en termes de taille, d'habitat et de comportement, et chacun d'entre eux joue un rôle important dans leurs écosystèmes respectifs. Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer le règne animal sous un angle massif et impressionnant. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 15 animaux les plus lourds au monde. Préparez-vous à être étonné par la taille et le poids de ces incroyables créatures. Veuillez noter que ces chiffres sont des estimations générales basées sur les poids moyens des différentes espèces et peuvent varier en fonction de l'individu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. L'ours Kodiak. Les ours Kodiak sont une sous-espèce d'ours brun qui vit sur l'île Kodiak en Alaska. Les mâles peuvent peser jusqu'à 850 kg, tandis que les femelles sont généralement plus petites, atteignant environ 320 kg. Le bison d'Amérique du Nord. Le bison d'Amérique du Nord, également appelé bison des plaines, est le plus grand mammifère terrestre d'Amérique du Nord. Les mâles peuvent peser jusqu'à 900 kg, tandis que les femelles sont généralement plus petites, atteignant environ 700 kg. Ils sont connus pour leur masse musculaire imposante et leurs épaisses fourrures. La girafe. La girafe est la plus grande animal terrestre vivant. Les mâles peuvent peser jusqu'à une tonne, tandis que les femelles sont généralement plus légères, atteignant environ 900 kg. Ils se caractérisent par leur long cou et leurs jambes élancées, ce qui leur permet d'atteindre les feuilles des arbres pour se nourrir. Le crocodile marin. Le crocodile marin est le plus grand reptile vivant. Les mâles peuvent atteindre jusqu'à une tonne, tandis que les femelles sont généralement plus petites, pesant environ 500 kg. Ils se trouvent principalement dans les régions tropicales d'Australie et des îles environnantes. Le rhinocéros noir. Les rhinocéros noirs sont légèrement plus petits que leurs homologues blancs. Les mâles peuvent peser jusqu'à 1,8 tonnes, tandis que les femelles sont généralement plus légères, atteignant environ 1,3 tonnes. Malheureusement, ils sont actuellement en danger critique d'extinction en raison du braconnage. Le rhinocéros blanc. Il existe deux sous-espèces de rhinocéros blanc, le rhinocéros blanc du sud et le rhinocéros blanc du nord. Le rhinocéros blanc du sud est le plus lourd des deux, avec un poids pouvant atteindre 3,6 tonnes pour les mâles. Les femelles sont généralement plus légères, pesant environ 1,8 tonnes. L'éléphant de mer du sud. Les éléphants de mer du sud sont les plus grandes espèces de phoques. Les mâles peuvent peser jusqu'à 2,5 tonnes, tandis que les femelles sont généralement plus petites, atteignant environ 4 cents à 900 kg. Ils vivent principalement dans les régions polaires et subantarctiques. L'hippopotame. Les hippopotames sont des mammifères semi-aquatiques qui vivent en Afrique. Les mâles peuvent peser jusqu'à 4,5 tonnes, tandis que les femelles sont généralement plus légères, atteignant environ 2,7 tonnes. Malgré leur apparence massive, ils sont capables de courir rapidement sur de courtes distances. L'éléphant d'Asie. Les éléphants d'Asie sont légèrement plus petits que leurs cousins africains. Les mâles peuvent atteindre jusqu'à 5,5 tonnes, tandis que les femelles pèsent généralement entre 2 et 3 tonnes. Ils sont reconnaissables à leurs oreilles plus petites et à leur défense plus courbée. Avant de continuer la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et lâche un pouce bleu pour me soutenir. On continue. L'orque, également connu sous le nom de « baleine tueuse », l'orque est le plus grand membre de la famille des dauphins. Les mâles peuvent atteindre jusqu'à 9 tonnes, tandis que les femelles sont généralement plus petites, pesant environ 7 tonnes. Les orques sont réputés pour leur intelligence et leurs compétences de chasse en groupe. L'éléphant d'Afrique. Les éléphants d'Afrique sont les plus grands mammifères terrestres actuels. Les mâles peuvent peser jusqu'à 12 tonnes, tandis que les femelles sont généralement plus légères, atteignant environ 6 tonnes. Leurs défenses impressionnantes sont constituées d'ivoire. Le requin-baleine. Le requin-baleine est le plus grand poisson du monde. Bien qu'il soit appelé requin, il appartient en réalité à la famille des requins pèlerins. Les requins-baleines peuvent atteindre jusqu'à 20 tonnes. Ils se nourrissent principalement de plancton et filtrent l'eau pour capturer leur nourriture. Le cachalot. Les cachalots sont les plus grands prédateurs à dents de la planète. Les mâles peuvent atteindre jusqu'à 57 tonnes, tandis que les femelles sont généralement plus petites, pesant environ 15 à 30 tonnes. Leur tête massive abrite un énorme organe sonar, connu sous le nom de « mélanosome », qui leur permet de communiquer et de chasser. Le rorqual commun.
Le rorqual commun, un géant des océans, peut atteindre une longueur de 25 à 27 mètres et peser jusqu'à 100 tonnes, ce qui en fait l'un des plus grands animaux vivants sur notre planète. Sa couleur bleu-gris distincte et ses nageoires allongées ajoutent à son allure majestueuse dans les eaux océaniques. La baleine bleue. Avec un poids moyen pouvant atteindre jusqu'à 200 tonnes, la baleine bleue est l'animal le plus lourd de tous les temps. Les baleines bleues adultes peuvent mesurer en moyenne entre 24 et 30 mètres de long, bien que certains individus exceptionnels puissent atteindre des longueurs de plus de 33 mètres. Elles possèdent également le plus grand cœur de tous les animaux, atteignant la taille d'une petite voiture. Et voilà, nous avons parcouru les 15 animaux les plus lourds au monde, depuis les océans profonds jusqu'aux plaines terrestres. J'espère que cette vidéo vous a fasciné autant que nous. C'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et à la prochaine.